Janine. Désolé. Écoute-moi, donc moi, je mais j'ai un cadeau pour vous. Moi, je suis arrivée sans portable. Ouais, mais c'est bien, mais c'est une bonne sensi pour les portables. Voilà, je ne l'accueille jamais, donc c'est oublié. Je ne me rappelle plus de code. Moi non plus. Donc, bah, c'est très bien. Je pense qu'on est tous dans le même état ce matin, un peu fatigué. Très fatigué. Moi, c'est à vous que je suis très fatigué. Je ne sais pas où vous en êtes, tout le monde est là. Ben écoute, oui, je l'échange. Tu vois, quand on plante les graines, il y a un échange. Mais en même temps, quand je plante, je me plante moi. Hein. J'allais beaucoup plus loin dans dans la métaphore. Je me plante moi dans la terre. Hein. Des enfants qui sont structurés grâce au jardin. Donc, ça a du sens. Voilà, hein. Donc, c'est bien de savoir d'où ils viennent. Et on va chercher et gratter comme ça. Sauf qu'on ne dit pas planter une graine, on dit semer une graine et planter un plant. Ah. Mais c'est la même image au niveau de la métaphore que tu employais. Elle était super belle. La bulle ou la bulle? La bulle. Bulle. Tu sais? C'est qui a posé cette question? Moi. Qui a touché, là. C'est qui, toi? C'est qui, toi? Bah, je te propose, si j'arrive à me connecter sur Facebook, mais j'ai l'impression que ça rame, on a l'impression d'être au fin fond de la Creuse ou de je sais pas où, là. Oh, pardon, excuse-moi. Mais ça rame beaucoup. Bah, je peux te montrer le groupe. Pour que ce soit un espace, bien sûr, créatif, imaginaire, qui peut peut-être déjà raconter une histoire, l'histoire du groupe. Ça, l'intérêt de travailler par petits groupes séparés pour faire après un groupe, d'accord? Ce serait bien ça. Et le dernier, moi j'aimerais bien que ce soit aussi un espace d'échange. Alors Fanny, une question, qui tu es? Et tu as 30 secondes pour répondre. Donc tu te poses la question, qui suis-je? Je m'appelle Fanny, je suis étudiante en BTS tourisme. Je viens de rentrer en licence professionnelle touriste et je suis originaire de l'Aveyron. Le mot que tu aimes le plus et qui est dans ton cœur et ton âme? Famille.